Salut à tous, c'est Skyros, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Resident Evil. Et voilà, enfin il est là, le nouvel épisode. C'est vrai que ça a tardé un petit peu, je suis désolé, mais je suis en France. Vous pouvez voir derrière moi, le décor a changé. Effectivement, je me suis installé dans le sous-sol de mes parents, voilà, en attendant la Paris Games Week. Donc je suis en France, et donc j'ai eu un petit peu de mal avant bah, l'installation, l'internet, etc. Vous doutez bien que le voyage, mais enfin, je suis là et je peux continuer l'aventure de Resident Evil. Alors c'était ici où il y avait Dame, Madame et Moroï. Voilà, où j'ai utilisé beaucoup de munitions pour rien alors qu'il suffisait simplement de alors je vais y arriver. Voilà, il suffisait simplement en fait de pousser les cailloux. Voilà, donc c'est super. Barry qui de toute façon lui branlait pas grand chose non plus. Et alors je ne sais pas si c'est le dernier épisode, mais en tout cas si c'est pas le dernier, c'est l'avant-dernier, ça c'est sûr. Et là on arrive vraiment à la fin. Alors voyons voir un petit peu ce qu'il y a. Une petite porte, une grosse porte de fer, impossible de l'ouvrir. Bon, continuons. Et j'entends de l'eau. Ah effectivement, il y a une petite un petit bassin. Et j'imagine, alors j'ai comme un souvenir à cet endroit là emblème de l'aigre est gravé à l'intérieur. Alors j'ai pris justement les médaillons, parce que je me doutais bien qu'au bout d'un moment on allait les utiliser, hein, ces putains de médaillons, à les avoir pour rien. Il fallait bien que ça serve, vu qu'on arrive à la fin du jeu. Maintenant tu sais que ce que t'as dans le coffre, bah ça va finir par servir à quelque chose. C'est au moins l'avantage, tu te poses pas la question quand, tu sais que c'est là, ça y arrive. Et je me souvenais un petit peu de ce moment là où avec cet escalier en colimaçon pour descendre, mais après je sais pas vraiment ce qui m'attend. Mais je sais pas pourquoi, il y a des fois des trucs comme ça, tu te souviens pas vraiment des étapes, mais il y a une image comme ça qui te reste dans la tête. Et c'est celle-ci, l'entrée est derrière. Donc entrons dans cet endroit maléfique et terrifiant. Voilà. Donc j'espère que les munitions que j'ai utilisées, parce que c'était les munitions acides, et je me souviens que j'avais vu un papier en disant « Oui, telle bête, elle est insensible aux balles, etc. » Sauf que j'ai gâché tout ce qui n'était pas de balles pour quelqu'un qui s'en battait les couilles de toute façon. Une immense cage d'ascenseur, on dirait qu'il y a une sorte de réservoir d'eau. Ok. Bah, on s'en serait rendu compte, hein, on a vu quand même un petit peu d'eau dans le coin. Ici, la porte. Bon voilà, en tout cas, ça c'est ça. Attends, il y a une porte. Il y a une porte là. Ah, le signe indique ne s'ouvre qu'en cas d'urgence absolue. D'accord. On imagine que ça va être la porte alors qui va guider à la fin du jeu. Urgence absolue, on imagine. Descendons l'escalier mystère. Ah, il y a un coffre et il y a de quoi sauvegarder. C'est déjà bien. La petite musique. Ah, elle te met la pression, tu sens qu'il y a quelque chose qui va se passer. Alors je vais pas sauvegarder tout de suite parce que j'ai sauvegardé il n'y a pas longtemps, à pas faire que ça non plus. Alors j'ai repris ma gourde au cas où, donc ça tombe bien parce qu'il y a de quoi la remplir. Et je trouve que... Oh merde, il y a un zombie là. Oh, ça c'est un chercheur. Crève bâtard, crève, crève, tombe au sol. Allez, implore-moi ton pardon. Alors j'utilise, hop, on va les brûler. Ah, encore un. Excusez-moi. L'ambiance. C'est vrai que tu vois que... C'est vrai que graphiquement, par rapport au jeu d'aujourd'hui, il n'est pas ce qu'on pourrait dire exceptionnel. Mais par rapport au jeu d'origine, il y a une sacrée différence, hein, mon dieu. Et il fait plaisir. Et c'est ce que je dis toujours, de toute façon, les graphismes, on en fait très rapidement abstraction, et ce ne sont pas vraiment les plus importants de toute façon dans le jeu. Les graphismes qu'on a là sont largement suffisants. L'ambiance, elle, est ce qui compte le plus. Voilà. Il faut privilégier l'ambiance plutôt que les graphismes. Et je trouve que sur ce jeu-là, c'est plutôt réussi. Et c'est vraiment pour ça que j'ai hâte, vraiment hâte plus que tout, qu'ils fassent le remake du 2. C'est pour pouvoir bénéficier quand même de graphismes un peu mieux, parce qu'ils ont fait abstraction. Mais bon, hein, y en a des fois, tu dis bon, abstraction, hein, on voit pas non plus. Voilà, hein. Mais essayer de voir l'ambiance qui nous retranscrit, essayer de voir s'ils ont justement poussé un peu plus l'ambiance qui était déjà pour moi vraiment magnifique. Mais bon, allez. On va pas parler du 2, on est sur le 1. Alors souvent, on me demande est-ce que je vais faire le 2 juste après le 1. C'est verrouillé, ok. Donc je vais même pas faire le 2 puisque là je ne l'ai pas. Je suis actuellement en France, donc je n'ai que la PlayStation 4.
Et donc ensuite, je pense faire quelques jeux que j'ai reçus de la part de PlayStation. Donc j'ai plein de jeux de PlayStation 4. Donc je vais faire une petite découverte sur chaque jeu-là pour changer un petit peu déjà des jeux d'horreur et de Resident Evil pour commencer. Et ensuite, une fois que j'aurai fini ça, je ferai Resident Evil 2, puis le 3, puis on verra de toute façon, etc. Alors, prendre radiographie, oui. Alors j'ai des radiographies. Un mémo épinglé au tableau attire votre attention. Ah! Attention! Il attire votre attention. Bon, qu'est-ce qu'il dit? Il y a quelque chose de griffonné. Pour utiliser la porte électronique, placez les initiales alphabétiquement. Bon. Alors, moi je vois L, 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 S, E, S, S. Bon, ok. D'accord. Une radiographie accrochée au mur. Un nom est écrit en haut à la radio. Alex Béchette. Ok. Super, il y a de la place pour accrocher une autre radiographie. Ah! Ah non. Ah non. Ah, Ed Fisher. Ah, ok. Il y a de la place pour accrocher. Ah bah voilà! Et là, il y en a une là aussi. Ah! Bon, bah c'est pas mal. Alors. J'ai vu un interrupteur en entrant, est-ce que ça s'active? Il y a un bouton, oui. Une partie rougeoie. Aucun changement. Une partie rougeoie. Aucun changement. Attends, excuse-moi, mais faut avoir fait des études de médecine maintenant pour jouer à Resident Evil? C'est quoi ce bordel? Il y a quelque chose d'écrivonné pour utiliser la porte électronique et les initiales alphabétiquement. Une partie rougeoie. Ok. Ah! Ah! Bah voilà! Bah non! Non, non, bah non! Là, là, et là, il y en a une qui rougeoie. Ok, donc elle rougeoie toutes. Là, c'est l'estomac. Je vois pas en quoi. C'est le larynx. Ça, c'est quoi? C'est le foie? Ah non? Bon, je vois pas trop, mais alors par contre, il m'avait dit sur le mémo, pour utiliser la porte grecque, placer les initiales alphabétiquement. Oh, ok. Peut-être ça alors. A, ok. C. E. G. Bon, voilà, c'est bon. Ah. Ma chère Ada, lorsque tu poseras les yeux sur cette lettre, je ne serai sans doute plus celui que tu connaissais. J'ai reçu le résultat de mes analyses aujourd'hui. Comme je m'y attendais, elles sont positives. Merde, j'ai l'impression de perdre la tête. Quand je pense à ce qui m'attend. Putain, je vais trop vite quand je lis. Je ferai n'importe quoi pour ne pas devenir comme eux. Pour autant que je sache, tu n'as pas été contaminé. J'espère que nous n'en arriverons pas là. Mais il s'avère que tu es la dernière survivante. Je veux que tu ailles chercher les informations qui se trouvent dans la salle des données visuelle. Ensuite, active le système d'autodestruction dans le sol haute et enfuis-toi. Putain, elle va tout faire péter la conne. Je t'en prie, fais tout ce que tu veux pour que la personne ne sache de cet accident, tout ça. Si tout fonctionne encore correctement, tu devrais pouvoir débloquer toutes les serrures à l'aide du système de sécurité. Bon. J'ai configuré le terminal de la petite salle de sécurité de la façon à ce que tu puisses accéder au système en tapant mon nom et le mot de passe. En tapant mon nom et le mot de passe que j'ai choisi, c'est-à-dire ton prénom. Ah, mon nom et le mot de passe, c'est-à-dire ton prénom. Alors, je vais l'écrire quand même. Est-ce que elle s'appelle Ada, si je crois bien, hein? Pour ouvrir la porte du sous-sol 2, où il se trouve la salle des données visuelles, tu devras saisir un autre mot de passe. Par mesure de précaution, j'ai codé ce mot de passe dans une radiographie. Je te connais, je suis sûr que tu n'auras aucun mal à le découvrir. Une dernière chose. Ah d'accord, elle l'a codé, mais comment. Non, c'est sérieux? Hein? Une dernière chose, et ceci est mon ultime volonté. J'espère que tu ne feras jamais en cet état, mais si tu me vois, tout ça flige mes souffrances, s'il te plaît. Je te remercie, Ada. Bien à toi, John. Alors voilà. John,
Donc ça, c'est déjà un mot de passe et un truc. Alors apparemment, il y en aurait deux. John Ada. Ah, il te l'a dit en plus, tu sais déjà. Bon, j'aurais pu les retenir, effectivement. Certes, j'aurais pu les retenir. Alors là, je vais écrire les blases parce qu'effectivement, je pense qu'il y a un truc là-dessus. Voyons voir. Alex B. Chez. C'est bien que j'ai un truc pour écrire parce que sinon, une partie rougeoie. Mais alors, je vois pas pourquoi la rougeoie, c'est-à-dire que ça active vraiment. Parce que là, il me l'a dit de les avertir. Je sais pas, moi. Alors là, ça me paraît un peu. C'est vrai que dans Resident Evil, il y a un moment, ils partaient dans des délires. Il faut les suivre. Hein. Bah non, je vais pas les intervertir, puisque logiquement, c'est bon. Ed Fisher. Comme ça, si jamais il y a un truc à voir, bon, une partie rougeoie, ok. Une partie rougeoie, Gail Holland. Gail Holland. Je sens que celui-ci va être assez difficile à trouver. Hein. On va y arriver un jour, mais je ne sais pas comment. Voilà, intervertir les radios, non. Alors, je vais refaire un. Non, bah non, non, ça va, ça va, ça va! Je vais refaire un petit tour là, parce que là, je vois. Là, l'œsophage. C'était l'autre là, l'œsophage. J'ai dit le larynx, il y a les poumons, le liver, donc voilà, c'est ça, le foie. Et. Le large intestine. Donc pour utiliser la porte électronique, placez les initiales alphabétiquement. A, C, E, G. J'imagine, hein. Bon, et bah écoutez, on va avancer un peu parce que là, effectivement, J'aurais dû être attentif au cours de médecine. Je savais que ça allait me servir dans le monde du jeu vidéo. Mais évidemment, je ne pense pas. Mais bon, est-ce que j'ai de l'espace dans mon truc? Pas trop. Hein. Je vais le laisser là au cas où. Si j'en ai besoin, je viendrai le chercher. Mais on va le laisser là en attendant. On va avancer un peu plus loin. Là, j'imagine que justement, le mot de passe John Adam me permettra d'ouvrir une porte. Oh putain, le con! Mais bon, bah, je fonce dedans, moi. Avec... François, ta gueule, t'as beau fond. Allez, à terre! À terre, gamin! Ah, il y en a encore un. Ah bah, en tout cas, c'est la première fois que je crois que j'utilise le taser. Oui. Ah bah tiens, on va rentrer là. On va voir ce qu'il y a. Et ça m'a l'air quand même encore assez tordu pour que ça soit le dernier épisode. C'est vrai que là, on voit qu'il y a encore pas mal de choses à faire. Donc, des machines. Ah ah! Des McDo! Putain, ça fait trop plaisir. Il reste un morceau de cadavre sur la table. C'est dégueulasse! Dégueulasse. Ah, un ordinateur. Attends, on va lire ça. Via VACT. Ouh, il doit y avoir un truc avec le VACT, non? Note du chercheur. Tout tend à démontrer que le virus T affecte le génome de l'organisme hôte. Nous avons maintenant la preuve qu'une fois que l'individu a perdu connaissance, le corps entre dans un état latent. Pendant cette période, le virus s'active et transforme rapidement l'organisme en recomposant sa structure de base. L'hôte finit par prendre forme d'une créature humanoïde que nous appelons VACT. Alors, je crois que ça s'appelle VACT. Je vais l'écrire au cas où parce que là, il commence à me sortir des trucs comme ça. La vitesse à laquelle le virus agit et le développement musculaire important qu'il entraîne sont particulièrement remarquables. Après la mutation, l'individu devient plus agile et plus agressif. Quatre de nos chercheurs ont déjà péri en tentant de le nourrir. Mais qui peut aller au McDo tout seul, le con? Cela s'est terminé dans un véritable bain de sang. Voilà, depuis cet accident tragique et horrible, nous avons baptisé l'espèce Tête Sanglante. Alors j'imagine que c'est cette putain de bête qu'il va falloir buter qui est insensible aux balles. Voilà, j'imagine. Impossible de laisser ce précieux spécimen là où il est. Nous vous devons trouver une solution, bien sûr, et il est hors de question de le détruire. Bah oui, forcément, les cons. Ils peuvent pas le maîtriser, mais ils veulent pas le détruire. Hein. Nous avons finalement décidé de congeler le spécimen et de confiner son corps dans le sous-sol du cimetière de la cour. Ok, bon. Alors, voyons voir à l'ordinateur. Alors là. Bah ouais. Ah bah oui, John. Je voyais pas le clavier. Je crois que c'est ça. Hein. Il est où le haut, putain, oh là là. Enter, voilà. Et là, c'est Ada. J'espère que c'est aussi simple que ça. Hein. Enter. D'accord. On va mettre ça.
son blas, c'était Ada, l'autre con. Ah oh, putain, il met le mystère en plus, l'enfoiré. Ah ouais, tu penses bien, là. Ah, mais pourquoi? Je ne comprends pas. Login, il m'avait dit John, etc. Là. Password, Ada. Alors, peut-être que c'est pas ce PC-là. Alors, peut-être qu'il y a un autre PC, parce qu'il y en avait deux. Alors, attends, je vais essayer l'autre, là. Avec les initiales. Voilà où point on en est, tu testes hein, des conneries. A, G, machin, mais quand même les couilles. Ok, et là je vais faire les autres. B, D, F, H. Ça va pas marcher. Hein. C'est par ordre alphabétique, putain, mais j'étais. Pourquoi j'étais perdu comme si c'était un clavier, tu sais, comme. Ah, oh, nique ta mère, bâtard! Bon, je me barre. Je me barre. Je sentais bien que j'allais me faire baiser la gueule. Voyons voir ce qu'il y a là. Ah, il y a du congelé là. Hein. Les cadavres ont été congelés et mis dans un sac de la morgue. Ah, une petite pile taser là, non? Yes. Ça tombe bien, j'en ai utilisé une. L'effet est quand même assez puissant hein, par rapport au couteau, j'en ai eu l'impression. Ah, c'est quoi ça? Trousse de premier secours. Bon, on va la prendre. De toute façon, je commence à me remplir les poches, il va falloir que je... Et un écran permet d'affichage des missions vues aux électrons, ok. Un morceau de cadavre, blabla mes couilles. Bon, et bah écoutez, je suis un petit peu dubitatif quand au code à mettre là, parce que si je regarde les fichiers, laboratoire, voilà, lettre du chercheur, mes couilles... ma chère Ada, donc elle s'appelle bien Ada, il n'y a pas de majuscule. Alors, pour accéder en tapant mon nom et le mot de passe que j'ai... En tapant mon nom, le mot de passe que j'ai choisi, c'est-à-dire ton prénom. Et il s'appelle John, le con. Alors, c'est John et Ada. Alors, ça se trouve, c'est l'autre... Pour ouvrir la porte du sous-sol 2... Se trouve la salle des données visuelles, tu devras saisir un autre mot de passe. Ah, un autre mot de passe, c'est-à-dire que le nom c'est toujours John. J'ai codé le mot de passe par radiographie, je te connais. Ah, voyons voir alors. Ah non, pas ça, putain, mais... Oh là là. Donc là, ça va toujours John, mais ce sera un autre mot de passe. Et là, le mot de passe, je vais mettre les initiales. Voyons voir. J'espère que oui, sinon je sais pas. Hein. Ah putain de ta merde. Qu'est-ce que ça peut être alors? Il doit y avoir un truc là-dessus, il faut chercher. Et là, je pense que je vais me péter la tête un peu violemment dessus. Voilà, je sais pas. Je ne sais pas. Alors, il semblerait que John soit le nom, puisque deux fois il avait dit que c'était ça. Mais ensuite, je ne sais pas si les choses seront... Le mot de passe sera ce qui m'a indiqué, ce con. Alors, est-ce que j'ai une autre pièce à visiter? Non, en plus, non. Alors, je sens que je suis pas dans la merde. Hein. Une zone, machin, ok. Ok. On va recharger parce que j'entends un petit zombie qui arrive. Et je l'avais pas buté, lui? Ah, les munitions. Bah, ce que je vais faire, c'est que je vais le laisser là, le con. Parce que si je le bute et que je le crame pas, j'ai l'impression qu'il va revenir. Alors autant qu'il reste un peu mollusque comme ça, plutôt qu'il me casse les couilles. Tu vois, comme lui, là. Là, il va revenir un jour. Autant le laisser marcher à deux à l'heure. Alors. Ada fonctionne pas comme mot de passe, putain de merde, quoi. Je vais être honnête avec vous, je suis un petit peu dubitatif sur la suite de l'épisode. Je sais pas comment ça va se passer. Il n'y a pas trop d'endroits où aller. Alors là, la lumière est toujours allumée. Non, là, elle est... Ah oui, d'accord. Une radiographie est accrochée au mur. Un nom est écrit en haut. Alex Béchette. Ok. Clark David. Placer les initiales alphabétiquement.
Et c'est ça en plus, Alec Béchet, Clark machin, c'est A, B, C, D, E, F, G, H. Donc... Je comprends pas en quoi. Alors, je les ai placés bien alphabétiquement. Mais après... Alors, attends, il y a un truc. J'ai une idée. Voyons voir. Une partie rougeoie. Une partie rougeoie. Une partie rougeoie. Une partie rougeoie. Alors ici, on a là l'intestin. Le côlon. Alors on commence par le côlon. Ensuite, je crois qu'on a l'œsophage. L'œsophagus. Oui, on apprend, on apprend. Ensuite, on a le liver. Et ensuite, on a lungs, les poumons. On apprend l'anglais en même temps, c'est vachement bien. C-E-L-L, cell comme cellule. Ça va être ça, ça se trouve. Oh putain. Oh si c'est ça. Si c'est ça, je suis content. Je suis content. Si c'est pas ça, je sais pas. Mais si c'est ça, c'est je suis content. Je vais pas le ramasser parce que là je commence à être un petit peu plein de toute façon. Oui, bah ça me paraît de soi. Colon, œsophage, liver, lungs, C-E-L-L, cell comme cellule. Ça... Voilà, je le savais. Et gros. Tiens, il l'a poussé ce bâtard. Hein. C'est là ou pas? Non, c'est pas là. Hé, pauvre con, voilà. Voilà, c'est pour ça que j'aurais dû les laisser. J'aurais dû le brûler. Bon, je vais le buter, mais là en plus j'ai que mes flingues, mes petites balles de flingue. Donc du coup. Bon, ça va, on va venir à bout quand même. Bon, on va tester avec le mot de passe cell. Mais normalement, le nom d'utilisateur est le même, c'est John. Alors, essayons. John. Et là, cell. S'il te plaît, s'il te plaît. Oh bâtard! J'écris John correctement. Je confonds pas. John? Alors on va essayer avec ce putain d'ada de merde là. What? Mais j'écris ça tout à l'heure, non? Oh putain, le bouffon! Bah B2. Ah, alors attends. Et là, si je fais ça. Ok. Là, c'était bon. Donc, finalement, tout ce que j'ai fait, c'était pour quelque chose, hein. Donc, c'est vrai que j'étais persuadé que j'avais écrit John et Ada au début. Et finalement, ça n'a pas marché. Là, ça a marché. Mais de toute façon, je n'aurais pas eu le sel pour ouvrir ça. Donc, là, c'est une bonne chose. Et normalement, celui-là, on peut y accéder. Voilà, unlock. Tout parfait, tout est... Bon, nickel. Et ben voilà, j'ai réussi à débloquer. J'ai découvert le code qui était cell grâce au radiographie. Je suis vraiment content de moi parce que c'était franchement un truc pas évident du tout. Donc maintenant, je pense que je peux accéder à plusieurs parties, à des portes qui étaient préalablement fermées. Donc bah, je vais retourner voir, je recharge, non c'est bon, je vais retourner voir justement pour aller à cet endroit-là. Et donc effectivement, il reste encore pas mal de choses à faire. Hein. Et ça m'a pris du temps cette cochonnerie, alors je vais quand même buter l'autre là. Oh putain! Ah oui d'accord, oui. Non, je vais me barrer en fait. Je vais me barrer parce qu'il fait mal. Il fait mal. Oups! Oh putain le con! Il a failli me niquer! Ouais, bah, oui, non, en fait le pistolet ça fait rien contre lui. Bon, je crois qu'il y a un moment où il y avait. Je les avais brûlés eux, tant mieux, je vais retourner dans la boîte là. Je vais aller prendre déjà des herbes vertes parce que, écoutez, il avait l'air d'être d'accord sur le fait que je vais en avoir besoin. Donc ça c'est plutôt cool. On va faire un petit check-up, hein. Parce que de toute façon, effectivement,
J'ai réussi à faire toute l'histoire des mots de passe. On peut dire que c'était quand même sacré. C'était pas vraiment très évident hein, tout ça. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais faut quand même y penser à tout, faire l'ordre, etc. C'est un petit peu tordu. Alors attends, oui, bah non, je peux pas l'utiliser. Faut pas l'utiliser comme ça, il faut l'utiliser comme ça, d'accord. Vous avez rempli votre gourde de kérosène, ok. Bon, ça, c'est bon. Il reste quand même pas mal de choses à faire. Finalement, moi qui pensais que ça allait être le dernier épisode, je ne pense pas. Alors ici, je vais déjà aller m'équiper du magnum. Parce qu'il y en a un qui résiste assez bien aux balles de je vais y arriver, de pistolet, donc... hein. Combiné, hop, voilà, équipement. Voilà, très bien. Je vais ramasser ça et je vais faire une petite sauvegarde quand même. Au cas où, parce que je voudrais pas non plus avoir... Bon, maintenant, j'ai les mots de passe, donc du coup, c'est vrai que j'imagine que si t'as les mots de passe, t'as même pas besoin, si tu meurs, d'aller dans la salle avec les trucs. Tu vas directement là, à l'ordinateur, tu rentres les mots de passe et tu gagnes du temps. Mais bon, ah, c'est plus vraiment le jeu. La satisfaction, c'est d'aller chercher, mettre les radiographies, trouver ton mot de passe et bam, direct, tu peux... t'y arrives. Donc, c'est cette satisfaction-là que t'enlèverais si jamais t'avais le mot de passe directement. Alors, je suis pas connecté à Internet, donc... oui, bah, l'internet ne fonctionne pas très bien là où je suis, hein, malheureusement. Donc, retélécharger, non, voilà, on s'en fout. Voilà, téléchargement annulé, voilà, me fais pas chier, s'il te plaît. Hein, merci. On va mettre les rubans à l'intérieur et on va aller voir les portes qui étaient fermées, justement, électroniquement. Lesquelles étaient-elles? J'hésite à user mon magnum parce que j'ai vu que j'avais le fusil à pompe. Bon, allez, on va prendre. On va se faire plaisir un petit peu au magnum. Alors, allons voir si on a réussi à débloquer des portes de ce coin-là. Là, il y en avait une qui était fermée. Est-ce qu'on a réussi? Parce que là, je suis le... Ah, voilà, celle-ci est ouverte maintenant. Bon, bah écoutez, on va explorer cet endroit-là, voir un petit peu ce qu'on a. Le silence est même inquiétant, hein. Encore un disque? C'est pas possible. Pourrait faire une clé USB, hein. Ils auraient pu regrouper tous les disques en un. Un écran permettant de projeter des films. Je savais que j'aurais dû prendre le fusil à pompe, hein, bordel. Voyons voir. Héliport réservé aux membres de la direction. Cette restriction ne s'applique pas en cas d'urgence. Très bien. Passage vers l'héliport entrée interdite hormis en présence d'un conseiller en recherche et ou du directeur de la sécurité. Ordre donné de tirer à vue sur toutes les personnes non autorisées. L'ascenseur s'arrête en cas d'urgence. Salle des données visuelles, accès réservé à la division de recherche spécialisée. Seul Kate Irving, directeur de la salle, peut donner à d'autres personnes autorisation d'y accéder. Prison, la prison est sous responsabilité des services sanitaires, à moins un conseiller en recherche, machin. Wesker? C'est Wesker du Wesker qu'on connaît, Wesker? Doit être présent en cas d'utilisation d'un virus. Porte à triple verrou, l'entrée dans cette pièce est limitée à la personne qui désactive la serrure à l'aide de tous les codes d'accès. L'accès aux terminaux, ça doit être les cartes MO là. Située cette section des directeurs, recherche, désactive la serrure. Là, c'est haute tension dans cette pièce. La principale source d'énergie est un composant à base de nitroglycérine. Son accès est restreint aux surveillants du quartier général. Cette restriction ne s'applique pas aux conseillers en recherche disposant d'une autorisation spéciale. Terminaux, putain, mais vous me faites chier que tout vos trucs là, voilà. En ce qui concerne le progrès du tyran après l'administration du virus T, le reste document est illisible. Voilà, ce truc était intéressant. Alors, est-ce qu'on peut pas allumer la lumière? Parce que là, il y a l'air d'à pas avoir grand chose. Il y a l'air d'avoir un petit chemin. Où est-ce que c'est ça le petit chemin? C'est derrière moi. Bah oui, il a l'air d'avoir comme un petit chemin, non? Je suis pas fou, c'est là, devant moi. Oui, c'est là devant moi. Et c'est fermé. Bon. Alors j'imagine qu'il va falloir l'ouvrir. Le projecteur. Voilà, la cassette est en place, regardez, oui! MA39 Cerberus. Ah, le chien.
Ah oui, le fameux requin. Ah, le moment nostalgie. Le hunter. Ah, le tyran. Ah oui, lui, ça va être le boss de fin, lui, à tous les coups, hein. Et le groupe de recherche sur les armes biologiques, équipe de développement. Ah! Alors ça, je vais l'écrire, tiens. SAM 108 3 4 1 7 0 6 2 3. Ok. Bon, bah écoutez. Parce que là, il y a une petite fenêtre, là. Tu vois, en plus, la main passe à travers. Hein. Et là, il y a comme le moyen d'y accéder, mais il me donne pas l'option. Bon, bah écoutez. Au moins, j'ai eu un code qui, je pense, va me servir à quelque chose. Carte du laboratoire à la prendre. Oui! Bien joué! Je suis ici. Donc, en descendant, il y a les portes que je peux ouvrir. Ouh là, il y a encore pas mal de choses à faire. Waouh, c'est sympa! Vous avez pris la carte laboratoire. Bon, eh ben, écoutez, finalement, il y a beaucoup plus de choses à faire que ce que je ne pensais. Mais c'est plutôt sympa parce que derrière, ça repousse un petit peu le plaisir, on va dire, de cet épisode sur Resident Evil. Donc, voilà. Donc, j'espère que cet épisode-là vous a plu. Je vais vous laisser sur cet épisode. Il y a encore pas mal de choses à faire après. Donc, on se garde un petit peu le suspense. On a réussi à tout débloquer avec les ordinateurs. On a chopé un petit code. Je ne sais pas à quoi il sert, mais si te le montrer comme ça, le code barre, c'est pas pour rien. Le mystère est encore présent. On arrive vraiment à grands pas à la fin du jeu. Je pense qu'il restera un épisode, mais vu ce qu'il reste, peut-être deux. Ah, on verra, on verra. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à donner votre avis, poser vos questions, des suggestions, tout ça par commentaire. Un like, un pouce vert, ça fait plaisir, c'est la récompense. Et pour ma part, je vous laisse. Je vous souhaite une excellente journée. Que du bonheur, que bonne chose. Et je vous dis à la fois prochaine. Allez, ciao, bye bye.